Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un chit-chat make-up et j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai fait ma pouquise et il y a des choses à raconter. Donc, on ne va pas traîner parce que ça risque d'être assez long. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit pipi maintenant et d'aller vous chercher un petit café. Et voilà, donc je filme avec mon iPhone et on va en parler tout de suite. Donc je vais d'abord prendre ma base. Donc je vous note plutôt les produits que j'utilise. Comme ça, je ne perds pas de temps à vous expliquer. Ça sera plus simple. Je vais mettre un petit peu de base. Et donc on va commencer à parler du décès de mon réflexe. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, de toute façon je vous l'ai dit ici aussi dans la vidéo Full Face Catrice. Donc je la remets juste ici. Il est mort pendant le tournage. Paix à son âme. Il est décédé. Après, je l'ai acheté en 2014. Donc, il aura été très loyal quand même. On ne peut pas dire le contraire. Et voilà. Donc, il faut que je m'y fasse. Hein. Ah, il est mort, il est mort. Donc, j'ai essayé de le revendre parce que il n'y a pas de problème avec les photos. C'est juste avec les vidéos. Donc, j'essaye de le revendre. Si quelqu'un veut débuter les photos sur un réflexe, voilà. Mon serre-tête n'est pas très droit. Donc là, j'essaye de me démerder comme je peux avec l'iPhone. Il faudra peut-être que je refasse des réglages et compagnie pour le cadrage, la luminosité, tout ça. Quoique là, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, bien sûr, pour l'instant, je fais avec l'iPhone, mais. Comme je l'ai dit sur Instagram, j'ai pas envie d'user mon iPhone. Donc je ne vais pas rester à filmer avec l'iPhone. Il faudra que je rachète un appareil. Et par contre, j'ai pas les sous. Donc il me faut des sous. Voilà. Donc je remercie toutes celles qui laissent défiler les pubs pendant mes vidéos. Toutes celles qui pensaient faire un petit tour sur mon YouTube pour m'aider à monter un peu ma cagnotte. Vous avez également mon lien iGraal en barre d'infos. Hein, si vous voulez m'aider et vous affilier. Enfin, vous inscrire via mon lien de parrainage, ça me fait gagner un peu de sous à votre inscription, enfin à votre première commande, et après je gagne des sous sur les commandes que vous passez, tout simplement. Bon, voilà, c'est minime. Mais jusqu'à maintenant, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent, parce que la monétisation, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, une fois que j'aurai l'argent, je sais lequel appareil je veux. J'ai changé d'avis depuis hier. En fait, au départ, j'avais dit que j'achèterais le Canon EOS M100, qui est à 400 euros. Donc, c'est peut-être celui que je devrais acheter suivant les moyens que je vais avoir. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas la 4K et il n'y a pas de sortie micro. Donc, le son est un peu moins bon, forcément. Du coup, après, j'avais vu le M200. Qui a là la 4K, mais toujours pas de prise micro, et qui est à 500 euros. Et depuis hier, j'ai vu le M50, qui a la 4K et une sortie micro. Donc, c'est vraiment ce qu'il me faudrait. Mais là, il est à 600, je vais dire 630 euros, ça dépend un peu des sites. Sur Amazon, je l'ai vu à 615, sur Cdiscount, à 625, enfin voilà, ça. Ça dépend un peu pourquoi je mets du fond de teint sur mes paupières. Je ne fais jamais. Je suis perdue. Donc c'est celui que j'aimerais bien m'acheter, mais c'est un autre budget. Mais en même temps, je les tiens très longtemps. Et c'est un appareil photo hybride. Donc c'est un réflexe, mais hybride. Voilà, compact. Et je pense que ça peut être sympa. Parce qu'il faut que je trouve pour avoir un retour écran sur un PC, parce que sinon je ne vois pas bien. Donc ça peut faire. Mon éponge est un peu sec, hein, un peu sèche. Anti-cerne. Donc je suis toujours avec le XX, que j'aime bien le produit, hein, mais j'aime pas l'embout. Mais j'aime bien le produit. Voilà. Et donc voilà, dès que j'aurai un peu les sous, alors je veux plus, j'avais dit que je mettrais plus prix, un prix exorbitant pour une caméra sur ma chaîne, puisque, enfin pour ma chaîne, puisque ma chaîne n'est pas rentable, puisque c'est pas ce que je gagne en monétisation que je me fais de l'argent.
et que elle évolue pas non plus. Donc je suis un peu partagée entre ma passion, j'ai envie de dire, et le fait que je dépense de l'argent. Mais bon, en même temps, je me dis, je ferai un sport, je devrais acheter du matériel de sport, quoi. On se console comme on peut. Mais je foutrais plus presque 1000 balles pour une caméra, ça c'est clair. Parce que, bon, le réflexe, même qu'il a duré très longtemps, j'avais presque 900 balles. Et tant que ma chaîne n'évolue pas, j'ai pas envie de perdre en qualité, parce que voilà, c'est un truc qui est important pour moi, même si ce n'est pas pour tout le monde, hein, puisque vous avez été nombreux à me dire que peu importe la qualité de la vidéo, vous regarderiez. Mais pour moi, j'ai envie que. Voilà, j'ai toujours voulu avoir de la qualité d'image et sonore, et je ne veux pas que ça change maintenant, quoi. Bon, après, il y aura forcément une période où, comme maintenant, ça sera cette qualité-là pendant un certain temps, puisque je ne peux pas racheter l'appareil maintenant. Donc, si vous me suivez un petit peu, j'avais commandé une caméra 4K sur Amazon à 156 euros. Je vais mouiller un peu avec mon fixateur parce que mon éponge est trop sèche. Donc, si vous entendez des bruits chelous, c'est mon mari qui fait des travaux dans le couloir en bas. Et la qualité, c'était de la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, de la merde. Grosse merdasse. Je vais essayer de vous mettre une photo juste ici du rendu que ça donnait, mais j'ai été partagée entre l'envie de rire et l'envie de pleurer. Donc, je l'ai remballé aussi sec. J'ai fait plein de tests, hein, plein de réglages et tout. Je l'ai remballé aussi sec, je l'ai renvoyé aussi sec. Enfin, bon, il faut que mon mari aille la déposer à la poste. Mais voilà, 4K, 4K, ouais. 4K surtout parce que c'est de la merde, de la merde, de la merde. C'était même pas du Full HD, quoi. Même pas du HD classique, hein. C'était même pas du 720p. On aurait cru que j'étais un cartoon. J'avais une tronche de dessin animé cartoon. C'était affreux. Donc voilà. Mes petites mésaventures avec mes caméras. Alors, j'ai encore l'Allegria que j'ai mis en vente aussi parce qu'elle traînait dans mon armoire depuis très longtemps. Je crois que j'ai utilisé deux, trois fois, en tout cas c'est. J'avais déjà payé ça, hein, 300-400 balles, je crois. Je sais plus le prix que j'avais payé. Mais c'était pas donné-donné, hein. Et après, j'ai eu le réflexe, donc j'ai jamais changé une fois que j'ai eu le réflexe. Parce que j'en étais tellement contente et tellement fière. Voilà. Donc, je vais pouvoir pudrer. Donc, je prends celle de chez Sephora. Je suis en train de la tester en ce moment. Là, c'est la Beauty Amplifier. Poudre lissante. Éclat. Alors, je l'aime beaucoup pour le teint. Mais alors, par contre, elle marque les ridules en tous les yeux. C'est affreux. Donc là, je vais juste poudrer mon teint. Et j'ai oublié de blender mes rides. Oh. Bon, tant pis, on fera avec. Alors, bronzer et blush. J'ai commandé pendant les soldes un petit pack de chez Tarte avec le mascara comme ça, donc trois miniatures. Donc, je vais essayer le bronzer qui est le Park Ave Princess, mais c'est un satiné. Donc, normalement, je ne le mets que sur mon front. Là, je vais essayer de faire tout avec. Voilà, parce que j'ai un peu la flemme. Donc, voilà, je disais, j'ai assez dépensé, je pense, d'argent pour ma chaîne pour l'instant, alors qu'elle ne me rapporte rien. Financièrement parlant, hein, parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses, mais financièrement parlant, elle ne m'apporte rien. Donc, voilà. Je pense qu'une fois que j'aurai les sous, donc si vous m'aidez sur Utip, en laissant passer les pubs, comme je vous ai dit, sur iGraal et tout ça. Ça peut aller relativement vite. Sinon, ben tant pis, ça attendra. Je vais voir pendant les soldes si la solde sur Amazon. Parce que à Auchan, elle est celle que je veux, la M50. Elle est à 870, enfin à 875 euros. Donc je préfère l'acheter sur Amazon à 600. Hein. Donc après, on me disait aussi que la caméra. Enfin, la qualité iPhone est très bonne pour les vidéos. Oui, je sais, la qualité est très bonne.
Je n'ai jamais dit le contraire. C'est juste que déjà, j'ai pas envie d'utiliser mon iPhone. Oui, hein, voilà, c'est comme ça. J'ai attendu énormément de temps pour l'avoir. J'ai pas envie de bousiller la batterie en filmant trop avec et que ça risque de l'abîmer et tout ça, tout ça. Parce qu'après aussi, pour décharger les vidéos, il faut que je le reconnecte à mon PC. Donc ça charge en même temps et j'ai un peu peur que ça bousille la batterie. Je sais que c'est dans ma tête, mais voilà, j'ai tellement attendu ce téléphone que ça me ferait chier de le foutre en l'air avec mes vidéos. Et le blush, pareil, je mets le Tarte, donc c'est le Harmony qui était dans le coffret, que j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment une teinte un peu pêche corail comme ça que j'adore. Donc voilà pour tout ce qui est caméra. Je crois que maintenant, on va attendre qu'il y ait un peu de sous qui rentre et puis on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais pour l'instant, de toute façon, je ne sais pas aller la chercher tout de suite. Donc, on restera avec l'iPhone en attendant. Ah oui, et je disais aussi par rapport à l'iPhone que vous me disiez que la qualité était bonne. C'est aussi le problème que j'ai pas de retour en fait. Parce que j'ai été voir sur Internet hein, pour avoir un programme de retour sur mon PC portable qui était un Windows du coup. Et je payais. Merci Apple, hein. Bien sûr, chez eux tout est payant. Mais voilà, si je veux un retour sur mon PC portable que je prends ici d'habitude, eh ben, je dois payer. J'ai pas envie de payer. Évidemment. Voilà pour ça. Donc je vais couper le temps que je fais mes sourcils. Mes sourcils. Et que je mets mon spray fixateur. Et je reviens. Voilà, j'en ai profité pour aller me chercher un petit café. J'espère que vous en avez fait de même. Donc je vais mettre de l'highlighter. Je vais prendre la palette de chez Révolution, la teinte pêche, que j'adore. Donc, qu'est-ce que j'avais en cours à vous dire? Donc oui, alors Vinted. Voilà, j'ai commencé à mettre des choses en vente sur Vinted parce que pour me faire des sous, hein. Mais quelle merde! Tous les produits make-up, on est obligé de mentir en fait pour dire parce qu'on peut vendre que des produits neufs. Alors c'est un site de seconde main, mais tout ce qui est produits cosmétiques, parfums et compagnie, on est obligé de vendre du neuf. Je vois plus où c'est un site de seconde main quoi. Tu peux aller. À partir du moment où vous êtes correct avec les gens, que vous dites que c'est pas du neuf, je vois pas où il y a le problème, quoi. Ça m'énerve. Ils m'ont supprimé plein d'annonces. Donc j'ai dû les remettre. Vous avez mon lien en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse. J'ai dû les remettre sans montrer l'intérieur des palettes et sans dire que ça avait été swatché ou utilisé. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça débile. Enfin bref, mais bon. C'est quand même le meilleur site de vente, enfin plus populaire pour l'instant. Donc. Si je veux faire des ventes, voilà. Et les fringues et tout ça vont venir par après. C'est que j'attends. Il faut que mon mari me mette un crochet ici pour que je puisse pendre mon sein pour faire les photos. Voilà. Et là, cet après-midi, j'ai mis ce matin quelques livres et cet après-midi, je vais mettre quelques accessoires, continuer les livres et voilà, tout simplement. Donc, je vais mettre ma base, toujours la même. Mais franchement. Je vois pas l'intérêt de faire un site de vente de seconde main si c'est pour pas accepter les trucs de seconde main quoi. C'est vraiment débile ce truc. Ça m'a énervé, énervé. Donc voilà, si vous voulez m'aider, il y a des ventes sur Vinted, il y en aura qui vont encore arriver, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc en parlant de produits de seconde main, hein, dans ma vidéo crash test de mes derniers achats. Donc, où je teste XX Révolution. Donc, je vous la remets ici et en barre d'infos. Vous avez un formulaire dans la barre d'infos de cette vidéo-là. Je vous le remets ici aussi, comme ça je vous réexplique un peu. Pour essayer de remporter. Parce que c'est pas vraiment un concours. J'aime pas trop dire concours, mais voilà, je ferai un tirage au sort parmi toutes les filles, enfin les personnes qui sont intéressées de récupérer les produits Creutzwaht et compagnie que j'avais pas aimé dans mon crash test de la marque Creutzwaht. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est pas des produits neufs, il y a du neuf dedans, mais il y en a qui sont pas neufs. Mais voilà, si ça peut vous permettre de les tester et moi à moi de ne pas les jeter, ben, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir les lots, ben, c'est dans la vidéo du crash test XX Révolution. Voilà. Alors je vais préparer quelques pinceaux pour mes yeux pour ne pas faire trop de bruit.
Donc là, je vais ressortir ma Morphe 35i. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé et j'avais très envie d'utiliser. Et donc, je vais principalement utiliser les deux couleurs ici, la orange ici, certainement la gris, celle-ci. Et puis, en pointeur, je verrai bien pour les lumineux. Donc, je ne vous explique pas trop ce que je fais. Vous voyez au fur et à mesure, c'est pour ça que je vous montre les couleurs. Donc, oui, pour les produits Creutzvat, comme je vous disais, c'est jusqu'au 20 juillet. Donc, vous avez le formulaire en barre d'infos. Vous avez la vidéo également. Donc, je vais commencer avec le gris foncé que je mets en point externe. Oh, cette base, elle file à une vitesse. Donc, si vous avez remarqué aussi, pour l'instant, ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu d'IGTV. J'ai décidé d'arrêter les IGTV. Donc pourquoi parce qu'en fait je vais vous les publier directement ici. Je ferai le même genre de montage, sauf que ce ne sera pas en format vertical, mais en format comme ici. Voilà, je vous les mettrai directement sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera, je pense que je vais les appeler les make-up du jour, hein, MU, Make-up of the Day, MUOTD. Et voilà, parce que pourquoi ? Ben tout simplement parce que ben, vous me suivez, vous êtes plus nombreuses à me suivre ici, donc ça inspirera plus de monde. J'ai plus de vues, j'ai la monétisation, et voilà, la priorité pour moi de réseau social, c'est YouTube. Après, c'est sûr que Instagram est très utile pour partager des photos, des stories et tout ça, chose que je ne peux pas faire ici. Mais tout ce qui est vidéo, je préfère en fait les mettre ici, voilà. Puisque ça me fera plus de vues, ça me permettra d'avoir quelques centimes en plus dans ma cagnotte. Et ça vous sera plus utile ici que sur Instagram, où vous n'êtes même pas mis à me suivre sur les 2000 qui me suivent ici. Donc voilà. Parce que j'ai vraiment envie que ma chaîne se développe un peu plus. C'est normal. Je pense que au bout de 8 ans... il serait peut-être temps que ça décolle un peu. Alors, je fais toujours ça par passion. Hein. Franchement, quand mon appareil est tombé en panne, j'étais en pleine dépression. Hein. J'en ai pleuré, quoi, parce que je me suis dit, mais si je peux plus faire de vidéos, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que c'est vraiment... c'est ma thérapie, en fait. C'est vraiment ce qui me permet de me sentir mieux et de me lever le matin. Et voilà, quoi, je me lève le matin, je pense aux vidéos que je dois faire. Quand j'en ai pas à faire, je m'ennuie. Enfin, et c'est pas que le tournage de vidéos, hein. C'est aussi le montage. Alors, je m'éclate avec le montage, hein. Je crois que vous commencez à le savoir. Et puis le partage qu'il y a avec vous. C'est ma vie, quoi. Je pourrais pas vivre sans faire de vidéos pour l'instant. Et sans partager avec vous dans les commentaires en première. Oh là là, qu'est-ce que j'adore les vidéos en première. Le fait qu'on puisse partager comme ça directement ensemble, c'est trop chouette, trop sympa. J'adore ça. Ce gris est ma foi très joli. Hein. Alors, avec un pinceau un peu plus souple, je prends celui-ci de Cherry Technique, je prends le beige que je vous ai montré, hein, enfin gris taupe, pour dégrader cette couleur-là. Donc voilà, ce sera des mini-vidéos, ce sera une nouvelle série. Il n'y a pas de date précise, ça sera... certainement, je pense, des vidéos bonus à chaque fois. Ou vraiment quand j'aurai rien d'autre à vous poster. Mais voilà. Quand je ferai un make-up que j'ai envie de filmer, en fait, j'ai une liste d'idées de make-up que j'avais pour les IGTV. Je la ferai en mini-vidéo. Et je vais essayer d'en faire au moins une par semaine. Je pense que ça peut être sympa. Donc, comme ça... on passera quand même à 3 vidéos par semaine. Et puis bon, comme c'est pas fixe, ben, si jamais je la publie pas, ben, c'est pas très grave non plus. Après, si j'en fais 2, ben, j'en fais 2. Enfin voilà. Donc dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Parce que je sais que je vous avais fait un sondage il y a quelques temps et vous aviez été nombreuses à me dire que vous préfériez que je les fasse ici, quoi. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et moi, ça ne m'empêchera pas de faire le montage comme en musique, comme je faisais pour les IGTV. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc pour ces mini-vidéos-là, qui seront monétisées hein, d'office, mais je laisserai
En fait, les publicités, ce que je fais, c'est que quand c'est des vidéos de moins de 15-20 minutes, je laisse enfin, automatiquement les annonces se mettre comme elles doivent se mettre. Je ne fais pas du tout attention à ça. Quand c'est des vidéos entre 20 et 30 minutes, là j'en mets manuellement, j'en mets deux. Et quand c'est plus de 30 minutes, j'en mets trois. Donc voilà, donc si vous savez maintenant que pour m'aider, il faut laisser défiler les pubs, ça serait gentil de votre part de le faire. Alors, est-ce que celui-là, il est peut-être un peu en transparence quand même. Ouais. Donc je vais mettre un autre par en dessous. Donc je mets le orange en paupière mobile avec un pinceau plat, le orange mat. Oh, j'adore ce orange. Après, ils sont forts en transparence. Hein. Donc si vous vouliez la palette Morphe là, qui est en édition limitée et que vous l'avez ratée, Beauty Glaze en a sorti un dupe que vous pouvez trouver sur la boutique officielle d'AliExpress et sur Amazon, mais il me semble que sur Amazon elle est plus chère. J'ai pas été voir, puisque moi il ne m'intéresse pas, mais il y a un dupe. Donc je vais essayer de vous la retrouver sur AliExpress et je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et il y a Yo Corée qui a fait une vidéo très intéressante sur les palettes pastel là, où elle compare d'ailleurs celle-ci avec la Beauty B et les petites, je sais plus de quelle marque, les petites Huda Beauty et je sais plus, mais elles avaient l'air très bien les petites là. Alors avec le même pinceau, mais de l'autre côté, je prends le fard orange lumineux que je remets par-dessus. Non, d'ailleurs j'y vais au doigt. Les reflets qu'il y a dans ces fards, c'est un truc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît que je vous fasse les petites vidéos ici et à bien essayer de défiler les pubs, mes vidéos. Alors, en coin interne, ça c'est autre chose. Les petits lumineux, là, les reflets. Oh, j'ai envie de mettre celui-là, ça irait avec. J'hésite entre les trois là en coin interne. Bon, hein. Le vert, j'ai peur que ça tranche un peu trop. Il fait plus jaune orangé. Celui-là, c'est lequel? Celui-là. Bon, allez, je vais mettre le mint. C'est celui-ci. Alors, regardez, là. Voilà. Je vais mettre celui-là en coin interne. Ah merde, j'ai du orange qui a transféré. Donc, il faut que je mette un peu d'orange ici. Voilà pour les fards. Point trop non fou. Hein. Donc, là, voilà. J'ai dû remettre mes lunettes à cause d'une big frayeur. Mon iPhone s'est éteint. Et j'ai cru qu'il m'avait pas enregistré la moitié du make-up. Mais c'est bon. Donc maintenant, bien sûr, je vais avoir la trace des lunettes. Hein. Tant pis. Donc je disais, je vais utiliser celui de chez Catrice. Donc là, attention, moment de concentration. Donc j'adore le produit en lui-même. Mais j'aime pas du tout l'applicateur. C'est un. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une pointe un peu feutre comme ça, donc elle est assez. Elle n'est pas souple. Mais le produit, j'aime beaucoup. Il est bien noir, bien opaque. Mais du coup, ça ne glisse pas bien sur la paupière. Donc il me faut un temps monstrueux pour faire un liner avec ce truc-là. C'est chiant. Voilà, celui-là, on va le laisser comme ça. Donc j'ai l'impression que je suis plus près que tout à l'heure. Je ne sais pas, je verrai ça au montage. Mais bon. Voilà, on dirait que c'est bon. Ici, j'arrive toujours à le faire plus arrondi que ce côté, mais là, c'est à cause de ma ride. Donc, dans mon crash test, j'avais pas poudré mon arcade sourcilière, quoi. Non, mais alors, j'ai fait n'importe quoi. Tant pis. Dans mon crash test Catrice, je suis tombée en amour de ce mascara. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tester un œil chaque mascara pour voir s'il y a une réelle différence. Parce que j'adore le rendu de celui-ci en deux couches, il est juste magique, quoi. Mais celui-là, je l'adore aussi. Donc, on va tester. On va commencer ici avec le Essence. Première couche. Il est aussi très beau. Hein. Et du coup, le Catrice. Donc, c'est le Lash to Kill Sexy Volume. Je l'avais acheté juste parce que le nom me faisait rire. Il m'en faut plus. Hein. Donc, voilà le résultat en une couche. Là, c'est le Essence. Et le Catrice.
En attendant que ça sèche, je vais mettre le Catrice Glam & Gloss sur les cils du bas. Et on attaque la deuxième couche. Donc, essence. Voilà. Et Catrice. Et une crotte. Hic. J'aime pas les crottes. Et voilà pour la deuxième couche du Catrice. Essence. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Celui-ci, j'ai l'impression qu'il définit un peu plus les cils. Les questions noirceur et volume, c'est à peu près pareil. Hein, mais il définit super bien les cils, celui-ci. Oh, j'adore les deux en fait. Mais bon, voilà. J'aurai deux mascaras chouchou maintenant. Alors sur les lèvres, j'ai envie de tester celui-ci, je viens de le recevoir ce matin. J'ai commandé sur AliExpress, c'est un Keybest Soft Matte Cream. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est un gouet. Alors je l'ai testé ce matin sur ma main, quand je l'ai reçu. Et même avec du biphase, j'ai eu du mal à l'enlever. Donc je vais tester celui-là sur les lèvres et puis je vous parlerai de la dernière chose que j'avais à vous parler. Putain, ils sont bons. Il tire sur le bleu une fois appliqué. Il n'est pas super uniforme, mais il est très beau pour le prix, j'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Donc voilà pour le make-up final. Donc la dernière chose que je voulais vous parler, c'est j'ai eu l'idée d'une série de vidéos, donc que je ferai ça sur une semaine, la première semaine d'août, à partir du 3 août, si j'ai des participations. Ça serait en fait des petites vidéos assez courtes, hein, je pense qu'elles seront assez courtes, où je reproduis un de vos make-up, celui dont vous êtes le plus fier, que vous aimez le plus, ou voilà, ou le dernier que vous avez reproduit. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Cambio. Si ça peut vous plaire, dites-moi ça en commentaire. Et si jamais vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer soit par mail. Donc je vous mets mon adresse mail en barre d'infos. Vous marquez participation ou make-up. Enfin, je sais pas. Vous mettez reproduction make-up. Voilà. Et du coup, j'en choisirai 7 à reproduire sur la semaine du 3 au je sais plus combien, voilà, du 3 plus 7 au 10 donc août, et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc c'est juste par rapport aux couleurs, hein, puisque je vais pas forcément avoir les mêmes palettes que vous et tout ça, mais au moins ça vous prouvera qu'on peut reproduire un make-up, les make-up que vous voyez en vidéo. Même si vous n'avez pas les mêmes palettes ou les mêmes produits, les mêmes marques et tout ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Donc voilà pour ce chit-chat. Je pense qu'il va être très long. Hein, je suis désolée. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait tellement plaisir. Et à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. De tomber sur cette vidéo par hasard. Et d'activer la petite cloche. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon YouTube du coup pour vous.